Cowboy. Vous voyez, je viens d'enclencher un peu le squatch, mais de façon manuelle. Si je mets en automatique, bon ben là, ok, voilà, là c'est direct coupé. Donc toutes les stations qui n'arrivent pas assez fort, là c'est même pas la peine, ça ne passera pas. À moins qu'il y ait un appel sélectif d'enclencher un truc, quelque chose du genre, quoi, bien évidemment. Donc le squatch, ok, voilà. Bon, je vais le monter carrément. Le squatch en FM comme ça, ou même en AM, c'est vrai que c'est bien pratique. Ça permet de retrouver le silence au niveau de la station mobile ou fixe. Mais d'un autre côté, on n'entend plus les stations qui sont vraiment très, très lointaines. Là, il y a, dans le lointain, il y a peut-être un appel, là, mais bon, ben voilà, il n'arrivera pas à nous.
Donc tous les soirs, là, vers les 18h, ça, y a des, au même en journée, hein, là, il y a des QSO là, sur ces deux canaux, là, en FM. Alors celui-ci, ouais, c'est principalement en FM. D'ailleurs, il y a un groupe sur Facebook là, du même nom. Là, c'est dans tous les modes. Ouais, il faut écouter, il faut traîner les oreilles, quoi. Enfin, là, pour cette vidéo, là, c'est, je suis principalement basé qu'en FM, là. Justement, pour montrer un petit peu... Oui, je suis revenu, ça fait... ouais, j'ai terminé. J'ai terminé, puis j'ai fait vite fait, c'est ce temps que vous... Alors, OK. Bon petit test à faire. Voilà. Je retourne sur le 32. Ça déconne aussi à l'intérieur, donc... voilà, je vais récupérer ce qu'il y a de potable et le reste poubelle. D'accord. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, je vais pas me prendre la tête. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pourrais bien un petit micro pour aller, ça ira bien. Je suis pas pressé. Contrôle rien. Voilà ce que ça donne quand on enclenche le squatch. Marc, je peux le balancer de l'autre côté aussi, tout pareil. Disons que le... En mettant le automatique, il n'y a pas à chercher sur le réglage, je veux dire, le réglage fin fait manuellement, quoi. C'est, là, on va chercher la petite bête. Là, on va chercher la petite bête. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Là, on va chercher juste le point de déclenchement. Ah. Ouais, là, je serai juste à la limite. Voilà, ça crache un petit peu par moment. Alors que l'autre côté, c'est direct, sans réfléchir. Alors, j'aimerais bien que, justement, la station là, qui vient de revenir reprenne le micro. Vu l'heure, je suis pas sûr que je vais... Ah, oui, c'est un peu trop limite. Alors. Vous voyez ? Comment tu m'entends, là, voilà. Ah, en automatique, hein, c'est, vous avez vu là, on a vu le petit problème là du basculement en automatique. Hein. Moi, je suis plus pour chercher à régler manuellement comme ça. Ok, parce que bon, j'essaie de voir si tu m'entendrais mieux, mais je pense que. Ça ne change pas grand chose. Bon, après, ouais, niveau potard, j'ai les mêmes réglages que la dernière fois. Après, il chauffe tout doucement. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Moi, je t'entends bien quand même dans l'ensemble. C'est pas violent, mais je t'entends quand même. Donc, ouais, c'est un peu dommage là quand même. Tu m'entends pas trop. Ouais, juste limite comme ça. Par moment, on arrive quand même malgré tout à entendre la station qui est au loin, mais bon. Ou alors, eh bien, carrément. Hein. Voilà. Voilà, en le mettant à zéro, on arrivera à entendre tout le monde. Alors, entendre comme ça ce qui est dans le lointain, c'est le gros avantage de l'analogique hein, sur le numérique ou DMR. C'est, voilà, quoi. Quand on est en numérique ou DMR, comme vous voulez, ça coupe très vite hein. Dès que la réception baisse un petit peu, paf, ça coupe net hein. Il suffit de voir sur la TNT ou RNT ce que ça donne hein, c'est la même chose hein. C'est dès que la réception baisse un petit peu, le break enregistré sans problème, c'est fini. Ah. C'est chelou quand même hein. C'est chelou le truc ouais. Donc de toute manière voilà, je vais voir là quand je pourrais éventuellement soit mettre une autre antenne ou voir peut-être la montagne. Alors vous avez vu, là il y a eu un break, eh ben non, on l'a pas vu, voilà. Parce que le squatch était mis. D'où parfois ben, l'avantage de pas du tout utiliser le squatch. Ah ouais, c'est dommage. Bon, avec ta permission, mettons que le père revienne là du 600, on va faire rentrer le break, hein. Le break en avant. Hey, il est tout petit derrière. Oui, Marsac, Christian, sans problème. Oui, 73, ici, l'opérateur.
opérateur François, voilà. Opérateur François au QTH Saint-Martial d'Arpensé, à côté de Montpont-Ménestérol. Voilà, autant dire que ceux qui cherchent à faire de la FM, ben si vous avez déjà la CB, ben, ça sert strictement à rien d'investir dans autre chose, car la CB le fait très bien comme vous le voyez là. Hein. Bon là, ouais, comme là je prends pas le micro, je vais pas les breaker, je vais pas les appeler, parce que là je suis je pars embaucher de suite. Hein. D'ailleurs, je suis pas très loin du boulot là. Je suis à quelques minutes du boulot. Donc je me connais, si je prends le micro, eh ben, je vais me transformer en gros bavard et puis pour le coup j'embauche en retard. Voilà, dès qu'on enlève vraiment le squelch, qu'on le met à zéro, ben, on entend ce qui est vraiment tout petit derrière, QRP en termes CB.